Cet homme va salir le nom des Nurmagomedov. Ce week-end va être tragique pour les Nurmagomedov. Je parle bien de la famille de Khabib, Umar et Ousmane Nurmagomedov. Le trio des Nurmagomedov est actuellement à 63 victoires pour 0 défaite. Ils ont réussi à conserver leur invincibilité pendant des années, mais tout va s'arrêter ce week-end. Ça fait 2 ans que j'annonce que c'est Umar qui va gâcher le record des Nurmagomedov. Umar va affronter un des combattants les plus dangereux de l'UFC. Ce combattant, c'est Cory Sandhagen. Cory Sandhagen, c'est le combattant le plus sous-coté à l'UFC. Il a un striking aussi bon, voire meilleur que celui de Sean O'Malley. Avec 17 victoires pour 4 défaites, Cory Sandhagen est actuellement 2ème de la division. Son but n'est pas de devenir champion, mais bien de prouver que c'est le meilleur, ce qui est plutôt respectable, surtout à une époque où tous les combattants choisissent leurs adversaires intelligemment. C'est la raison pour laquelle il a défié celui que tout le monde esquive, à savoir Umar Nurmagomedov. Umar est un combattant extrêmement dangereux qui est en plus mal classé. Cory Sandhagen n'était pas du tout obligé de l'affronter. Leur premier combat avait été annulé car Umar s'était blessé à l'entraînement. C'est Cory Sandhagen qui est censé avoir peur, mais on croirait presque que c'est Umar qui fuit. Cory Sandhagen avait détruit Rob Font à la place d'Umar Nurmagomedov ce soir-là. Il avait toutes les raisons de demander un combat pour le titre, mais à la place, il préfère affronter Umar Nurmagomedov juste pour prouver que c'est le meilleur. Alors, est-ce que tu penses qu'Umar a une chance? Personnellement, je pense que